Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout un petit défi. Défi qui sera de finir le mieux possible, concrètement, le championnat en mode expert. Si vous vous souvenez, on avait fait fin 97, il y a super longtemps maintenant, je crois que c'est parti des premières séries que j'ai faites avec Qu'est-ce qu'on m'a dit d'ailleurs. J'avais fait une série aussi avec le mode arcade, une série avec la Jordan. Mais il y avait de la pluie, on n'était pas en expert, on était dans l'avant-dernier mode de difficulté. Et là, cette fois-ci, on va partir pour un mode expert, concrètement. Voilà. Quitte à vous montrer exactement ce que cela donne, voilà. Donc, un championnat entier, à peu près 10 tours de course. On est après au moyen en longueur de course. La session d'entraînement, il n'y aura pas de dégâts, par contre. Il n'y a pas de panne, il n'y a pas d'usure de pneus, pas d'usure d'essence. Vous allez me demander pourquoi je fais ça. Tout simplement... Parce que si je mets les jours de pneus et les jours de consommation d'essence, en fait l'IA, elle est en fait les bidons en fait. Si on met par exemple la consommation d'essence, ça va s'arrêter plus que nous, ce qui fait qu'on va gagner artificiellement du temps. Là on va vraiment être en mode où il faut aller le plus vite possible. Concrètement il va falloir aller le plus vite possible. Et je vous assure, franchement, suivant les circuits, ça va être une... Je crois impossible. Impossible. On va prendre la Tyrell. Qui d'ailleurs est la voiture la plus nulle avec la Minardi. Bon, on peut hésiter entre les deux, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Et je préfère la Tyrell, donc je prends la Tyrell. Voilà, donc on a la voiture la plus nulle en plus. Hein. C'est même pas avec une Ferrari, une Benetton, Williams, Jordan, etc. qui nous aurait donné plus de chances de pouvoir réussir le défi. Là, on va vraiment être en mode hardcore. On va démarrer. On va faire passer la session. On va faire les qualifications. Enfin les qualifications. Et je me rends compte que j'ai même pas configuré la bagnole. Donc en fait il faut à chaque circuit configurer la voiture. Parce que si elle est mal configurée, en fait vous perdez un peu de temps. C'est vraiment un truc qu'il faut faire en amont. C'est à configurer la voiture. Parce que là si vous voulez gagner quelques dixièmes qui vous manquent, ce sera impossible de le faire autrement. Je vais voir ce que ça donne déjà comme ça. Donc c'est parti. Bon, évidemment, le jeu est un peu upscalé. J'ai essayé de vous donner quelque chose de très très propre. Parti. Et on va essayer du coup avec Mika Salo hein, de faire une bonne qualification, une bonne course. Donc la vidéo risque d'être assez longue. Simplement parce que... Parce que je vais m'entraîner en qualification, bien sûr. Pour faire le meilleur tour chrono. Alors j'ai fait déjà quelques réglages. Hein. Quelques réglages au niveau de la... Au niveau des ailerons, j'ai fait des réglages au niveau du choix des gommes. D'ailleurs, je me suis rendu compte que le choix des gommes n'avait pas trop d'impact pour la performance, par exemple entre les durs et les tendres, il n'y a que dalle comme différence. J'ai mis les freins un petit peu plus vers l'avant, parce que paradoxalement, ils étaient plus vers l'arrière. Alors, faites pas influencer par la Williams qui est super lente, c'est juste qu'elle est pas dans son tour rapide. Donc c'est parti. Donc là on a 12 tours, on va faire moins de tours évidemment, mais je vais essayer d'améliorer mon chrono au fur et à mesure. On va essayer de mieux partir sur la grille. Voilà, vous allez commencer à l'entendre beaucoup parce que c'est la Williams à battre hein, cette année-là. On en a une 27 qui est assez mauvais d'ailleurs. Je vais essayer de lui empêcher d'avoir l'aspiration. Fantastique. Alors je pense pas avoir le meilleur setup. Ce premier temps intermédiaire est vraiment plus rapide que le meilleur temps de qualification actuelle. Il faudrait qu'on laisse passer la Williams, ça sert à rien de s'embêter, mais bon, on va quand même essayer de la distancer. Alors je vais faire aussi l'effort de ne pas cutter, bien sûr, parce que vous savez que le circuit Australie c'est un des circuits les plus cutables du jeu quasiment. Donc interdiction au cut abusif sur ce tracé. Jetons un œil sur les temps de qualification enregistrés. Alors au maximum, je suis sur le vibreur. Je ne pense pas qu'il arrive à améliorer son temps. De toute façon là j'ai fait un mauvais secteur. Il rétrograde en. Et quand je fais pause, c'est que je ternue comme d'habitude. Il rétrograde en première, seconde. On va faire encore un autre tour, hein, parce que là j'ai vraiment loupé complètement mon premier secteur.
Alors si vous voulez, je vous propose d'essayer, si vous voulez chez vous, de faire la même chose, hein, de vous mettre en expert, de prendre la Tyrell ou la Minardi. Et vous allez comprendre votre douleur. Alors le circuit d'Australie, ça peut être le plus difficile. Je vous le dis franchement, ça peut être celui-là le plus compliqué. Mais dès qu'on va passer ne serait-ce qu'à Interlagos, ça va être une immondice. Ouais, j'essaie d'améliorer mon chrono. 27.781. C'est le temps le plus rapide que nous ayons vu aujourd'hui sur. Le problème, c'est que j'ai trop mis de frein à l'avant. Du coup, si j'ai appuyé un petit peu trop fort, la voiture glisse. Enfin, elle bloque ses roues. Et du coup, bah, je me plante un petit peu. Alors, c'est la version française que je vous ai mis. On est en 60 Hz hein, sur le jeu, je précise. Donc, on a un timing qui est un peu plus rapide que la version que vous avez connue. En tout cas, c'est la version voilà, voyons pas européenne. Il fait par rapport au temps de qualification précédent. Il est en avance sur le leader au deuxième intermédiaire. Alors, je vais voir si je peux améliorer encore un peu mon tour. Pour l'instant, je fais un tour correct, hein. ça paraît très bien, mais il y a de quoi faire mieux. Là, normalement, il faut que j'aille prendre la sortie de ce virage, il faut le prendre à fond. Là, j'ai pas réussi. Sensationnel. 26, cela le place très certainement en pole position. Je vais voir si je peux faire un petit peu mieux. Et si je ne. Bah, si j'améliore pas, bah, on va passer directement à la course. Alors je vous ai pas montré les réglages que j'adopte, mais là je suis à peu près sur du 25% d'appui aérodynamique. Parce que je suis obligé de compenser le fait que je n'ai pas une grande vitesse de pointe. Je suis obligé de compenser. Pendant la vitesse de pointe, ça va être très problématique. Et c'est la F1 qui est la moins bonne adhérence de tout le jeu. Aussi. Soit disant en passant. La Minardi a un peu plus d'adhérence, un peu moins de vitesse de pointe. Mais après, c'est à peu près la seule différence. Un excellent tour en ce moment. Ouais, non, mais là je vais faire un mauvais chrono. À moins de prendre l'aspiration sur la voiture devant ou faire un meilleur secteur, mais je suis un peu en retard. Ah, vous avez l'impression que je fais un bon chrono, hein, mais ça veut rien dire. Ouais, je pense que c'est mort. On va faire fin de qualification. Je reviens à la configuration de la voiture. Ça va me permettre justement. Bon, on va voir les temps du coup de qualification. Mais ça va me permettre de régler un peu parce que je pense que j'ai pas assez d'appui. J'ai un peu du mal à certains virages. Donc je vais améliorer, je vais un peu augmenter l'appui, vous allez voir. Ouais, changement toujours un peu lent. Et regardez, je suis donc 4ème temps. Je suis à 6 dixièmes de Michael Schumacher. On va du coup. Alors je vous montre un peu les réglages justement. Embrayage en auto, slick, gomme dur, on peut pas changer. Suspension 0 pour le moment, disque de frein à 24, j'ai mis 50-50. Par contre, là on va un peu augmenter, on va mettre à 35. Parce qu'il faut que je puisse prendre les virages un peu mieux. Carburant un tour, il n'y a pas de suspension de carburant. Et on va passer du coup à la première course. Bienvenue au Parc Albert, ici à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. La piste est en service depuis un an seulement. Elle longe le lac central, au milieu des arbres, dans un parc magnifique, et les pilotes semblent apprécier ce circuit. La combinaison de lignes droites, relativement rapide, et de virages serrés sur une distance de 5 km 300 rend la course passionnante. Alors je précise que je me suis entraîné avant, bien sûr, hein, je vous montre la qualification, mais j'ai déjà tourné à fond bien avant ça, pour être au maximum en fait quand je monte la vidéo. Mais chaque course va être différente et peut-être qu'il peut y avoir des aléas non prévus. Les pilotes occupent leur place sur la grille maintenant et se préparent au départ. Les feux rouges commencent à s'allumer. Ils sont partis. Déjà très mauvais départ. Très très mauvais départ. Concentration pendant une seconde et voilà ce qu'on récolte. Il est entré en collision avec Alesi. Allez, c'est pas le moment de se louper. On va prendre aspiration au départ, on va essayer de. Et déjà j'ai touché Alesi, c'était pas prévu. Stupéfiant, le voilà cinquième. Alors il va falloir avoir aucun état d'âme, hein. Vraiment aucun état d'âme avec l'IA, qui elle n'en aura absolument pas. Donc, typiquement, essayer de coller toutes les. On joue les autos toutes les IA au maximum. Et non, ça a pas marché. Il vient de heurter Berger. Allez, on va essayer de passer la Benetton maintenant. Voilà.
Il prend la quatrième place. Alors il y a des secteurs où je vais être plus rapide, d'autres un peu moins. Il vient de heurter le Canadien. Oh le freinage, c'est bon, c'est passé. Il est passé en deuxième position. Alors dans les premiers tests que j'avais fait, j'étais à 50% de... 50% de... d'aileron. Et c'était trop. Du coup, je perdais vraiment beaucoup de temps en ligne droite. Et c'était vraiment super difficile. Là, j'ai un peu plus de mal dans les virages, mais en vitesse de pointe, je m'en sors beaucoup mieux. Mais comme je le dis, ne vous fiez pas à cette course. Hein. Cette course, c'est parce que c'est la première du championnat. Mais dès qu'on va passer à Interlagos, ça va être... Mais, Alors, je pourrais complètement couper à l'intérieur, etc. Je ne le ferai pas. Hein. Voilà, évidemment. Il recule un peu. Pas exagéré là-dessus. Là, par contre, j'ai un peu coupé, effectivement. Allez, c'est Frenzen qui est en tête. Je vois qu'il est parti des positions. Classement maintenant. En tête de la course, Hans-Harald Frenzen. À la deuxième place, Mika Salo. Je sais que je suis un petit peu en retrait dans cette section-là. Quatrième. Williams, numéro 1. Mais ici, ça se passe beaucoup mieux. Voilà, ici, c'est un double. Gerhard Berger. C'est la Shinichika, donc je suis plutôt rapide. David Coulthard. Et je n'ai que 10 tours hein, pour essayer d'améliorer. C'est pas énorme hein, 10 tours. Eh, Frenzen toujours en tête, 2 secondes d'avance, on a combien de secondes? 7. Il tourne plus vite que la voiture qu'il a pris en chasse. Ah oui, puis j'ai aussi vous dire, il n'y aura pas de pluie dans ce championnat. Le temps sera beau tout le temps, ce qui fait que j'aurai aucun moyen de rattraper mes performances sur le circuit pluvieux. Comme c'était assez facile de le faire dans avec la pluie justement. Puisque les IA étaient complètement à l'agonie. Il remonte, c'est sûr. Pour l'instant, ça va super bien. Et l'écart se comble. Je me suis loupé la sortie. Il recule un peu. Allez, faut pas louper les trajectoires. Pareil, il y a les vibreurs. Il faut absolument pas accélérer dessus non plus. Il y a vraiment une énorme perte de temps. Il réduit l'écart. Ouais, c'est vraiment le secteur où je suis au mieux, une seconde 9. Et on va arriver à la mi-course. Les pilotes ont déjà la première moitié du Grand Prix derrière eux, il leur en reste autant à faire. Étonnant! Ça y est, ils comblent l'écart. Voyons comment se compose le classement maintenant. En tête de la course, Hans-Harald Frenzen. Deuxième, Mika Salo. À la troisième place, Michael Schumacher. À la quatrième place, Williams numéro 1. En cinquième, Gerhard Berger. En sixième position, David Coulthard. Allez, on se rapproche. Dès que je vais commencer la respiration, ça va être mieux. Et l'écart se comble. Et il va falloir que j'arrête cette sonnerie. Allez, on continue.
Une seconde 2. Bah, typiquement, dans ce, avec la Minardi, le virage qu'on a fait juste avant, il est prenable à fond. Mais là, c'est pas le cas avec la Tyrrell. Ce tour va certainement lui permettre de rattraper la voiture qui le précède. Alors cette vue est pas mal aussi, mais je trouve que la vue du dessus est quand même beaucoup plus précise. Il recule un peu. Ah, une seconde 5. Un peu le yo-yo hein, pour le moment. Il faut dire aussi que le... que la petite glissade là, au premier secteur me fait perdre un peu de temps. Il réduit l'écart. Allez, on est presque derrière lui. Ah, c'est pareil, hein. Si je peux pas le prendre à fond, c'est mort. Et voilà, j'ai reperdu du temps. L'avantage, c'est que pour l'instant, on est largement devant les autres. Ah, j'ai perdu vraiment, vraiment beaucoup de temps. Il va rester plus que 3 tours à faire bientôt. Il réduit l'écart. Classement de la course, à la première place, Hans-Harald Frentzen. Deuxième, Mika Salo. En troisième position, Michael Schumacher. Quatrième, Williams numéro 1. En cinquième, Gerhard Berger. À la sixième place, David Coulthard. Dès qu'il franchit la ligne, il ne lui reste que 3 tours à faire. Ce tour va certainement lui permettre de rattraper la voiture qui le précède. Ouais, ça va être compliqué, on va essayer de se rapprocher. On devrait pouvoir se rapprocher, il ne faut en faire aucune erreur. Il cède du terrain. Il remonte, c'est sûr. Ah, j'ai mal pris la chicane, hein, j'ai perdu du temps. Bien entendu, pas de DRS. Hein. Il faut qu'on est en dessous de la seconde. On va se débrouiller tout seul. Allez, pas mal, pas mal, pas mal. C'est l'avant-dernier tour. Le pilote qui le précède va commencer à s'inquiéter après avoir pris connaissance du temps autour de son adversaire. La distance s'accroît. On est quand même plus proche hein, au fur et à mesure. Il ne renonce vraiment jamais. Et là, il a un petit peu bloqué ses roues. Ça va me permettre peut-être de le dépasser maintenant. Les deux voitures ouais, le problème, c'est clair. C'est bon, on a pris l'intérieur. Il se trouve maintenant en tête. L'écart zéro. 0 secondes.
Bon, maintenant il va falloir essayer de s'échapper un peu. Nous sommes dans le dernier tour. Oui, il est toujours derrière. Et il sent qu'il va rester derrière. Classement de la course, à la première place, Mika Salo. En deuxième position, Hans-Harald Frenzel. C'est bon, on est dans le secteur, on va être un peu mieux. Michael Schumacher. Quatrième, Williams numéro 1. En cinquième position, David Coulthard. Ouais, c'est bon. Sixième, Gerhard Berger. C'est bon, c'est bon. Ça devrait le faire pour cette première course en tout cas. Pas mal, écoutez, pas mal tout ça pour la première course. Après, ça peut être la course la plus facile de la saison, je vous le dis. Quelle course magnifique, quelle grande victoire! J'ai fait un bon tour, hein, 26,25, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, première victoire pour la première course, Frenzen deuxième, Schumacher Villeneuve, Coulthard Berger, 10 secondes, on a fait le meilleur temps au tour. Donc les points, bah, les mêmes. Le constructeur, c'est même pas la peine d'y penser, on l'aura jamais. Donc 9 points pour Williams. Et donc du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le Grand Prix du Brésil, et là vous allez voir, ça va vraiment, vraiment... pic de difficulté, il va exploser le plafond, vous allez voir. Je vous dis à la prochaine pour la suite.